Confinée, elle était ma mémé. Et pas qu'un peu, pas comme nous, non. Toute la journée, toute seule, devant son jardinet, dans sa cuisine, dans son fauteuil. Nous, ça nous plaisait, ces petits enfants, parce qu'elle était là, qu'elle nous régalait. Grosses frites et salades de tomates, confidences et petites compotes. On se déversait, on dévorait, sans comprendre qu'elle n'en avait plus, elle, de potes. Ma grand-mère était devenue handicapée. L'accident d'un méchant camion qui l'avait happée. Jamais elle n'en parlait, jamais elle ne s'en plaignait. Elle écoutait, elle rêvait, elle souriait et surtout elle faisait. Des petits plats, des câlins, des coups de torchon parfois. Sa façon à elle de nous dire hey, « Hé, ça suffit toi !» Son plaisir, c'était de partir à la campagne le dimanche de bonne heure. On posait la couverture sous l'herbe. Elle s'asseyait dans sa robe à fleurs. « Allez, ma petite fille, va courir avec ton papé !» s'exclamait-elle de bonne humeur en nous voyant cavaler, mon grand-père et moi, sur les bords de l'herbe, sans jamais, jamais, pour le coup, avoir peur de la perdre. Elle était là, ma mémé Hélène. Car elle est belle et elle est toujours là. Surtout quand ces mois de printemps, vains et vains, suspendus, raminent au cœur des souvenirs qu'on croyait perdus. Des nostalgies d'enfant, quand on ne savait pas que ces instants de vie, de joie, d'amour ne se vivent qu'au présent. Petit, on ne le sait pas, car on le vit, c'est tellement évident. Aujourd'hui, ça y est, on y est dans le présent. Slow, incertain, on le sent. C'est flou, brume partout, horizon pas net, on reste à la buvette. Non, ça c'est chez moi dans le Finistère qu'on dit ça. Ailleurs, on travaille comme on peut ou on fait causette. Les GAFA se réjouissent et s'enrichissent de nos six têtes zébas. Et nous, sur Teams, Skype, Zoom, WhatsApp, FaceTime et les autres, on se rabat. Ou encore, on se replie. On étudie, on réfléchit, on rigole. Jamais autant de conférences, de vidéos, des tutoriaux. Notre cervelle, elle devient pas molle. Stimulée? Réveillée peut-être, rafraîchie, élargie au-delà de notre petit moi. Celui qui était engorgé dans son travail et sa famille, et voilà-t-il pas le corona avec tous ses tracas. Car il est là, celui-là, le corona roi. Difficile de passer à côté quand on croise tous ces masques coton-papier pas vraiment légalisés. Convivialité minimale, c'est pas vraiment à l'extérieur qu'on va se ressourcer. À l'intérieur alors, au-dedans? Mais qui vient nous retrouver? Personne, dit-il, morne, le doigt sur la télécommande de sa télé. Attends, suspends ton geste. Et si derrière l'ennui ne se cachait pas un souvenir qui te fait coucou, une émotion, un sentiment, un ressenti, oui, dans le corps, t'es pas fou. Oh là, il y a quelqu'un? Écoute, ça toque à l'intérieur. Cela te parle d'une envie, d'un regret, de quelque chose que tu aurais à régler sous ta peur? Plus seul que d'habitude, tu l'es, mais pas forcément isolé. Au contraire, unifié, centré, présent, tu peux enfin avec les autres te rassembler. Ouvre les yeux du cœur vers l'extérieur comme vers l'intérieur. C'est différent, oui, mais en ce moment, il y a vraiment, vraiment, vraiment de quoi s'inspirer. Regarde ma mémé si confinée, son sourire en moi, depuis tellement d'années.